Alain Leprest. C'est tout au fond du Père Lachaise, dans la section 96, qu'elle a trouvé son dernier nid. Entre le mur des fédérés, couvert de roses et le carré maudit de maudit Gliani, c'est ici son dernier repos, ici que Théo Sarapo dort dans la cage de ses ailes. Si la tombe paraît petite, c'est qu'il fallait trop de granit pour qu'elle soit à son échelle. Général Auguste pompeux, tu ne t'excuses plus du peu, c'est du marbre sans épitaphe. C'est la plus petite des tombes, c'est celle d'un moineau dont l'ombre accouche son grand cou de girafe. Non, rien de rien sur les épaules, elle hante un curieux musical, les feuilles des arbres l'abyssent. Et chrétien, accorde à ton roi un jour la permission de croire pour que ses deux mains l'applaudissent. Un faisceau de lune lointaine, un dernier projo sur la scène, Molière l'écoute chanter. Un cimetière, c'est un théâtre, dans les rangées, écoutez battre le cœur gros de l'éternité. Sais-tu comment font les artistes pour ne pas rendre la mort plus triste qu'un au revoir au bord d'un quai? Suffit que l'amour est un hymne, un million d'amants anonymes viennent y planter leur bouquet. C'est tout à fond du Père Lachaise, dans la section 96, qu'elle a trouvé son dernier nid. Madame Lamboucas est dite, dite Piaf, dans l'ombre maudite du peintre maudit Gliani.